Abonne-toi à la chaîne, pouce bleu et active la cloche. Ouloulou, gang. Yo les warriors, bonjour à tous. C'est exceptionnel, c'est une très 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 bonne nouvelle en fait. Tu vois, là, j'y crois pas trop, mais là, c'est incroyable quand même. KB Nwebit est de retour en équipe de France. Tu vois, selon l'équipe, hein, selon le Parisien, il devait faire partie de la liste de 26 en fait de Didier Deschamps. C'est incroyable. Deschamps, en fait, il aime trop faire ça. C'est quand personne ne l'attendait, en fait, ça, il fait une surprise. Quand on attendait tous, en fait, Benzema, il n'a pas été appelé. Mais là, personne, enfin, de toute façon, personne n'y croyait, en fait. On a tous dit, en gros, tant qu'il y a Deschamps en équipe de France, il ne sera jamais rappelé. Mais là, c'est exceptionnel s'il a fait ça. C'est un très, très beau cadeau, tu vois. Il y a la F1 qui va être de retour sur le terrain. Ça va aller très vite, les gars, tu vois. Au karting, là, il va se mettre sur le banc. Mais bon, après, je sais pas quel système va choisir Deschamps. Mais là, ça va aller très vite. Tu vas avoir des contrôles de la tête, reprise, bam, laisse tomber. Avec Benzema, ça va être. On va se régaler, c'est sûr et certain. Tu vois, donc, on sait que c'est un joueur qui est collectif et tout, qui sait qui, comment dire, qui rend ses coéquipiers meilleurs, en fait. Tu vois, Benzema, il a tout. Il a comment dire, la vision, il participe au jeu, tu vois, il fait des passes décisives, il marque des buts. Cette saison, de toute façon, il a marqué 29 buts, toutes compétitions confondues, et fait 8 passes décisives. C'est pas anodin. Donc, c'est amplement mérité, en fait. Comment tu peux te passer d'un attaquant qui est aussi décisif dans une saison, tu vois, c'est pas possible, en fait, tu vois. Et c'est le meilleur attaquant français. Tu vois, Benzema, c'est complètement mérité. Et là, en plus, la dernière fois que Benzema a été sélectionné en équipe de France, c'était en 2015. Ça fait il y a 5 ans et demi en fait. Le dernier match c'était France-Arménie 4-0. Laisse tomber. Là c'est une éternité, mais on va se régaler là. C'est reparti là. Je pense que si Benzema est là ce soir à 20h20, on verra de toute façon dans la liste. Inch'Allah, en espérant que Benzema y est. Parce que là, s'il y est là, c'est. Laisse tomber. Deschamps, là sur ce coup-là, il a frappé fort en fait. Tu vois, c'est exceptionnel. Cabinet but, il va buter sur. Comment dire, sur les défenseurs, là, Laura, là, il va se régaler, vous allez voir. Franchement, ça fait plaisir et tout, tu vois. Donc, du coup, il y aura Benzema, Griezmann, Mbappé, la triplette, elle va faire mal. Après, ça dépend, peut-être qu'il va mettre Dembélé aussi, parce que Dembélé, il va faire des crochets, il va faire danser des défenseurs et tout, là, c'est un truc de fou. Dans tous les cas, comme je l'ai dit, c'était mérité, tu vois. Benzema, il va leur faire mal, en fait, vous allez voir. Laisse tomber parce qu'il a la dalle, tu vois. Ça fait longtemps qu'il approche d'une équipe de France et tout. Il va montrer à Deschamps qu'il a eu tort. Donc, du coup, Benzema, tu vois, il va se surpasser comme d'habitude. Donc, c'est un top player. Vous allez voir, en fait. Tu vois, le vrai Karim Benzema. Là, il va être bien entouré. Il va leur montrer toute l'étendue de son talent, en fait. C'est incroyable. Vous allez voir, on va se régaler. Ça va être du grand art, en fait. Tu vois, ça va être un plaisir, tu vois, de revoir. Les matchs de l'équipe de France, tu vois, avec Benzema, c'est un truc de fou. Qui l'eût cru, en fait? Qui l'eût cru? Personne n'y a cru. Mais là, laisse tomber. Moi, je vous dis, l'Euro, avec Benzema, c'est carré. Énervé, concentré, vous allez voir. Là, il va. De toute façon, il est toujours au charbon, lui. Donc voilà, on peut lui faire confiance. C'est le leader du Real Madrid. En attaque au Real sans Benzema, tu vois, il galère et tout. On le voit sur les matchs. Avec Benzema, tu vois, c'est pas pareil. Benzema, il est intelligent, comme je l'ai dit, tu vois, dans le placement, tout ça. Et tu sais, dans l'orientation du jeu, mais laisse tomber. Il a un QI, en fait, qui est au-dessus de la moyenne. C'est exceptionnel ce qu'il fait. Donc voilà, j'espère qu'il va être dans la liste. Hein. On va pas se réjouir trop vite. Mais j'espère vraiment que Didier Deschamps l'a appelé pour de vrai, parce que là. Selon l'équipe et le Parisien, c'est quasiment fait. En fait, il est parmi les 26. Après, on verra, on ne sait jamais. Peut-être que c'est une rumeur, hein, j'en sais rien. Mais là, avec Benzema, moi, je vous garantis du spectacle, en fait, tu vois. Donc, voilà, là, c'est pas Olivier Giroud. Mais bon, voilà, j'ai rien contre Giroud. Mais il a fait la carrière comment dire, qu'il fallait faire. Et que, franchement, Giroud, il a fait une belle carrière, faut dire la vérité, en fait. Faut se souvenir d'où il vient, tu vois, il vient tout en bas aussi, tu vois. Et voilà. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo à moi, c'était les gars, et à vous abonner, on est ensemble. N'oublie pas de lâcher un pouce bleu et de t'abonner. Loulou, gang.